Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma décoration d'Halloween 2022. L'édition de l'année dernière vous a tellement plu, c'est l'une des vidéos les plus vues de la chaîne l'année dernière. Je vous remercie énormément. Cette année, nous avons réfléchi à rajouter quelques éléments, même un étage, parce que ça faisait un peu plus vide. Même si j'avais déjà tout en tête il y a à peu près un an. Je vous remercie encore, je vous souhaite une agréable vidéo et découvrez l'édition 2022 de Halloween. Jour numéro 1, je suis en train de changer le ruban LED qui était là depuis 2 ans sur cette cage pour acheter des nouvelles parce que la dernière c'était en blanc et ils étaient complètement morts, je pouvais pas le changer de couleur. Donc cette année j'ai complètement changé le rideau et le fermé en un seul circuit pour qu'il y ait la trappe et la cage au même endroit. Jour numéro 2, et là on commence la peinture. Donc on a été chercher des nouveaux tasseaux et des panneaux d'OSB en 9 mm. Et on a commencé à peindre tous les 3 dans notre garage. Peindre les 19 ou 18 tasseaux, je ne sais plus, et 5 panneaux. Donc c'est parti après pour 3 jours de séchage dans le garage. Jour 3, là on recommence à rassembler toutes les pièces de l'année dernière et on fait un tri un peu dans tout. Et dans la même journée, on doit redessiner des lettres qui ont été cassées lors du salon du geek. Donc on doit les refaire pour les remettre sur les lettres Halloween. Jour numéro 4, je renforce la barre qui tient toutes les lettres d'Halloween et en même temps je refais tout le système de la trappe, donc ce soit avec les LED et retendre le tissu. Pendant ce temps-là, Nico et Steven continuent à préassembler les éléments du décor, dont là il y a le tunnel et tout. Thank you.
Spider-Man.